Coucou mes loulous et mes louloutes, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo dans ma boîte aux lettres. Tout d'abord, je voulais vous remercier du fond du cœur pour m'avoir souhaité mon anniversaire. C'est vraiment très très gentil de votre part. Ça m'a vraiment touchée du fond du cœur. Là, j'ai reçu un colis, donc ça vient de Lydia, mais alors, je vais vous montrer l'état du colis. Inadmissible. Voilà l'état du colis. Voilà. Donc, dedans, il y avait, j'étais obligée de l'ouvrir. Parce que dedans, Lydia m'avait mis. Alors, effectivement, le facteur a fait une réclamation, il l'a dit à son chef. Mais, bon. Alors, vous voyez, je vous mens pas, elle m'a fait des petits chocolats, sauf que c'est plein de bouts de verre et c'est imbibé de produits et c'était tout simple. Je sais pas si vous entendez. D'ailleurs, faut que je fasse attention que ça. Oh là là, ça tombe par terre pour mes chats. C'est en miettes. Excusez-moi, je les ramasse. Je suis un peu d'aigle, hein. Je suis un peu d'aigle. Donc c'est le sambon. Voilà comment il est. Qui a pété, ah, il y a des bouts de verre de partout, et qui a bien sûr, oh là là, tous les bouts de verre tombent, va falloir que je fasse attention, même pour moi, parce que qui marche pieds nus, je vous dis pas que même, voilà, hein, l'état du carton de ma Lydia. Donc, je vais voir si elle m'a fait une petite lettre. Je suis vraiment dégoûtée pour elle. Donc, voici la petite carte, je pense. Merci, ma Lydia. C'est très, très gentil. Ce qui est bien, c'est que tout est parfumé. Par contre, donc je vais ouvrir tout de suite les. Oh là 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 là. Le problème, c'est que. Non, ça va. Les chocolats sentent pas le parfum. Je vais les enlever tout de suite. Voilà. Du papier. Parce que vous voyez, il y a des bouts de verre. Non, ça va, ça sent pas trop le parfum. Bon, c'est la poste, hein. Je trouve. Non, ça. Oh oui, tout est parfumé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, délices framboises, biscuits roses de Reims. C'est une confiture. Oui, c'est ouais, mais bon. C'est une confiture fabriquée en France et la framboise, vous savez que j'adore. Alors malheureusement, tout est imprimé. Oh, je suis deg, 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 deg. Bon, je vais enlever d'abord. Elle est folle, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Je vais enlever et je vais essayer. Oh là là là. Non mais regardez-moi l'état du carton. Dans un carton. Hein. De la poste de chez eux. Hein. Et après, ils nous font tout un vince. Quand on n'achète pas leur carton chez eux, c'est tout juste qu'ils font pas la gueule. Alors, j'enlève tous les petits bouts.
Alors là, c'est vraiment un carton de poste. Voilà, je vous mens pas, hein. Alors, on achète des cartons chez eux et ça tient même pas le coup. Un carton dans un carton, c'est même pas foutu de tenir. Je suis dégoûtée pour Lydia qui fait ça, qui a fait un colis avec tout son cœur. Et voilà l'état qui arrive le colis. Alors, c'est bien beau. Alors, ils m'ont mis colis arrivé en l'état dans nos services de Friville le 14. C'est bien beau de me marquer ça, mais à mon avis, je vous dis, ils doivent jongler avec les colis. Je sais pas ce qu'ils font avec, mais en tout cas, je leur dis pas merci, la poste. Hein. Alors là, j'enlève, parce que JP doit justement jeter tous mes cartons. Et comme il y a l'adresse, ah oui, là, je suis vraiment vénère. Parce qu'on envoie des choses, on fait tout ça avec notre cœur. Et voilà le résultat. Voilà ce que ça donne. On prend un colis de chez eux qui vaut la peau du cul, parce qu'il faut un peu la gueule quand on fait nos propres cartons. Et en fin de compte, même avec leur colis, hein. Bravo, bravo, bravo. Donc ça, je vais ranger dans celui-là, en espérant qu'il n'y a plus de petits bouts. Enfin bon, on va pas épiloguer pendant 15 ans, ça servira à rien, hein. C'est fait, c'est fait. Donc, je trouve, oh, trop mimi, des petits scat stickers chat. Mes petits minous. Ensuite, un bloc crête et propre boîte. Donc, vous les connaissez hein, déjà. Hein. Un tampon. Oh, chouette, je l'ai pas celui-là. Donc, c'est avec des pensées et un petit cadre. Oh, mini découpe gorgeous. Trop bien. Ensuite, du papier vellum. Donc, il y a 24 feuilles. Et là, c'est... Oh là là, c'est trop beau. Donc, vous avez le papier vellum et le papier mat. Ah non, c'est du papier vellum aussi, mais plus foncé. Oh non, c'est chouette. J'espère que vous voyez bien. Marron. Ah, là, c'est... Ah oui, c'est ceux en deux couleurs. Enfin, en deux... que vous pouvez découper. Ah, c'est trop bien. Oh, les papillons. Je vous montre pas tout. Les papillons. Ah, c'est trop bien. On peut les découper. Comme ça, on fait moitié-moitié. Ensuite, je trouve Vintage Web de chez Craft Sensation. Oh, les nuages. Alors, c'est du papier, voilà, comme ça, comme de l'aquarelle. Des beaux nuages. C'est super. Ensuite, oh, des petits embellissements en bois de Noël. Donc là, il y a des petits sapins, des petits... petites bottes, des petits rennes, des petites étoiles, des petits Pères Noël, des petites boules, des petits cadeaux, des petits bonhommes de neige et d'autres rennes différents. Oh, elle est superbe. Dear Santa, left me explain.
Merry Christmas. Oh, elle est trop, trop belle. Franchement, elle est vraiment très, très douée. Hein. Par contre, ouais, bah ouais, voilà. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais regardez l'auréole. Donc, ça a coulé de partout. Alors, c'est bien, c'est que ça va sentir le parfum. C'est embaumé. Ne viens pas là. Faut que maman balaye. Après, je vais achoumer. Ça, c'est le. Pardon, c'est le parfum là qui est explosé, qu'il y en a partout. Je trouve des stickers perfume, donc des stickers en forme de bouteille de parfum. Voilà. Ensuite, oh, du washi tape. Il y a 24 pièces. Oh, les petits chiens. Oh, les pandas. Oh, la fille qui s'émerveille, voilà. Mais vous, bon, hein, vous les connaissez. C'est déjà passé. Ah, ça, c'est chouette, je ne vous avais pas trouvé. Des shakers, stickers Noël. J'ai un bout de. L'alphabet glitter couleur bleue. Et ensuite, je vous montrerai, c'est le 3D die-cut sur Noël. Oh, c'est trop mimi. Alors, oui, c'est enfantin, mais comme je suis une grande enfant, moi, ça me dérange pas. Oh. J'adore, j'adore. Oh. Non, mais ils sont mignons, même si c'est ouais, en fantôme, petit cochon est trop beau. Le petit cochon est trop beau. Oh, même là, le petit renne, le Père Noël, non. Bah écoutez, moi, je suis ravie. Hein. Vous savez, moi, de toute façon, et là, des coupes, enfin, aussi des petits. Die-cut pour compléter nos cartes. Trop beau. Ensuite, elle m'a mis un joli album. I like you and love you. Trop mimi. Oh là là. Alors ça, moi, je suis pas, je sais pas les faire encore les albums. Alors, je vous montre. Donc déjà là. Des petites fleurs, un papillon, du papier déchiré. C'est trop beau. Ah, je vais pouvoir coloriser ça avec l'aquarelle. Oh, c'est magnifique. Là aussi, je vais pouvoir m'amuser. Oh là 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 là, la patience. Là, par contre, moi, je n'aurai pas la patience. Ah, là, il y a une petite fleur. J'espère que vous voyez bien. Et voilà. Il est trop beau, Malidie. Ah, il y a un petit cœur aussi, ici. Et le dernier. Folle, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Alors, j'enlève tout de suite parce que. Oui, ça sent. Oh là là, oui, bah, d'accord. Ah, puis, alors, bien. Ça a pris. Ouais, ça a enlevé le brillant, mais bon, c'est pas très grave, hein, on va pas, voilà. Donc c'est un joli bah, planeur. Donc là, vous avez les stickers et c'est dans mes couleurs rose. Hein. Trois planches de stickers. Vous avez les feuilles.
Alors, vous avez des feuilles à pois. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez des feuilles toutes blanches. Et vous avez des feuilles lignées, plus les intercalaires, beautiful, hello, live, log, love. C'est hello to a brand new day. Live low love, get organized, et c'est en plus avec des petits compartiments. C'est trop mimi, mais par contre là il va falloir que je laisse sécher parce que ben voilà. Eh bien ma Lydie, je te remercie. Donc Lydia, c'est Passion Création, sa chaîne. Donc, si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous invite fortement à aller vous abonner, à liker, à commenter, à partager, parce que c'est une femme qui a un cœur gros comme ça. Voilà. Que dire de plus? Qu'elle est très, 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 très gentille. C'est pas parce que voilà, elle m'a offert quelque chose que je dis ça, c'est tout simplement parce que je la connais et que on a passé toute une journée ensemble et je sais comment elle est, comment elle fonctionne et que c'est une bonne personne. Voilà, je t'envoie des millions et des milliards de bisous. Vas-y, attrape-les. Et je voulais vous montrer, et oui, parce que ma bougie a bien des... Je vais vous la montrer d'ailleurs, parce qu'elle a bien... Elle a bien fonctionné, hein, voyez. Il reste que ça de toute la bougie. Et quand chéri est rentré le soir, donc déjà il n'avait pas vu la bougie, hein, il a dit, oh là là, ça sent bon, c'est quoi cette odeur? Ben, je fais, c'est voilà la bougie que j'ai reçue de bijoux, bougiebijoux.com. Il m'a dit, waouh, ouais, ça sent bon. Effectivement, là, vous voyez où je l'ai mis, mon canapé côté télévision salon, c'est un peu plus loin. Eh bien, on sentait la bougie. Et effectivement, j'ai eu le plaisir. Alors, je ne sais pas si au fond, il y a le deuxième cadeau. Mais en tout cas, le premier, j'ai reçu ce bracelet. Voilà. Alors, c'est avec des étoiles de Varovski. Alors, il faut que ça soit JP qui me le mette parce que je peux pas me le mettre toute seule. Il est donc voilà, superbe. Et comme vous le tournez, ça fait différentes couleurs. Il est trop beau. Ça fait un peu, oui non, or, je sais pas si vous allez voir, voilà, comme ceci. Donc merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir fait confiance et je voulais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Et c'était bien enveloppé dans un petit sac et il y avait donc le bijou qui était également dans un petit pochon bien fermé et tout ça donc voilà. Voilà je crois que ça se passe de commentaires voilà sur ce mes loulous et mes louloutes j'espère que cette vidéo vous aura plu je remercie pas la poste hein, même si c'est excusé quand il est venu me le livrer mais je remercie pas la poste hein. C'est pas bien faites attention avec nos colis hein, parce que franchement on y met tous nos cœurs on y met tout notre argent et voilà le résultat donc faites attention quand même hein, à ce que vous faites ne jonglez pas avec les colis ce n'est pas ce ne sont pas des ballons de foot ou des ballons de rugby ce sont des colis hein, voilà mais sinon Malédie je te remercie du fond du cœur encore une fois.
Si cette vidéo vous a plu, c'est comme ça pour les autres, hein, vous savez faire, parce que la dernière vidéo partenariat, je peux vous dire que le nombre de pouces en bas, j'ai été gâtée, hein. Mais c'est pas grave, ça me fait des vues. Donc, sur ce, mes loulous et mes louloutes, t'es bien likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Si toi, tu passes par là pour la première fois et si le contenu de mes vidéos te plaît, eh bien, abonne-toi, c'est gratuit. Ça fait toujours plaisir, mais c'est pas obligatoire, tu fais ce que tu veux. Voilà, sur ce, mes loulous, je vous... de tout mon cœur et je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Mais avant de partir, je vous envoie des millions et des milliards de bisous. Allez-y, attrapez-les et à très très vite. Ciao ciao.